les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter donc un petit album que je viens de terminer pour un mariage. Donc je vais pas parler, je vous laisse juste voir. Donc il n'y a pas de tuto, hein, c'est un mélange de André de Maire et Béatrice. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez, parce que j'ai fait un medley en fait, hein, voilà, un portfolio avec voilà. Vous verrez à l'intérieur. Donc là, c'est le devant. Sur le côté. Alors, j'ai juste mis un ruban qui tient. Hein. J'ai pas fait de fermeture spéciale. Voilà. Avec un cœur. Voilà. Donc, je vais vous détailler un peu ça. Donc, il y a juste une image en fait qui a été passée et embossée. Tout a été embossé, peint en or, embossé ensuite. Ici, ben, c'est moi qui l'ai fait, un petit coussin avec des boucles d'oreilles qui me servent d'alliance en fait. Donc la mariée est très simple, le thème était rose clair, nature, donc j'ai fait un peu dans les tons nature, hein, voilà. Donc, et rose surtout. Voilà. Donc ensuite, ici j'ai mis Mister Mrs. avec un petit nœud, une bande tout le long de. Et il s'ouvre comme ceci. Donc il y a des enamel dots ici tout le long. Ici donc on a en premier on a une poche pour pouvoir donc mettre des photos, hein, parce qu'à la base c'est pour mettre des photos. Ici j'ai embossé amour. Ça se voit pas très bien à la caméra, mais moi je le vois. Voilà, c'est brillant. Peut-être vous allez le voir, peut-être pas. Voilà. Donc une petite pochette toute simple, hein, avec les enamel dots ici aussi. Voilà. L'autre côté donc ici on a deux flipettes. On ouvre et ici donc ça se soulève. Donc vous verrez pas trop peut-être. Alors je vais vous montrer. Ça fait ceci. Voilà, ici on a une pochette comme ceci pour mettre photo. Là, j'ai fait très simple dans la déco parce qu'elle n'aime pas tout ce qui est surchargé. Voilà, donc ça a été très simple. Ici, vous pouvez reconnaître la filière de Dominique. Elle est ici. Voilà, ici, hein. Regardez, pour pouvoir mettre des photos. Ça se tire, hein, bien sûr. Là, pardon. Là, j'ai fait donc une pochette pour mettre des photos. Et ici, vous avez donc pareil pour mettre des photos. Voilà. Donc ceci pour mettre une photo, il est à l'aube d'écrit. On ne le voit pas très très bien. Non, je me suis trompée, pardon. Et celui-ci, tiens, celui-là. Ensuite, on referme comme ceci avec des petites flipettes blanches assorties. Voilà. Ensuite, on va sur celui du centre. Alors là, j'ai rajouté un portfolio de notre ami Dominique. Donc ici, ben, comme vous pouvez voir, je souffle un peu parce que il est resté collé des petites quand j'ai embossé. Voilà. Il y a juste une petite rose ici. Donc, quand on ouvre, parce qu'en plus il y a le mariage et le baptême. Donc, j'ai fait ce côté mariage et j'ai fait une petite partie. Toute cette partie correspond au bébé en fait. Hein. Voilà. Donc, une flipette aussi. Une flipette avec que des pages vides pour pouvoir mettre des photos parce que c'est le but. Hein. Donc j'aime bien la déco, mais si c'est pour la cacher, ça sert à rien. Ensuite ici, on a donc deux grands tags, on dira, hein, pour mettre des photos, qui viennent ici dans ces pochettes en triangle. Ensuite on tourne, on a donc ici un passant. Donc vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Là. Donc, on a pour mettre des photos.
plutôt verso. Oui, c'était les couleurs, c'était or, rose, nature. Ici, c'est du faux bois. Voilà, après, c'est un tag pour mettre des photos de bébé. Tout simplement. Ici, donc, ben, il y aura des photos du bébé. Donc, on referme comme ceci. Et ici, donc, il y a le jour du baptême, le même jour que le mariage, là, en fait. Hein. Ensuite, on referme tout bêtement. Hein. Voilà. Alors, je le remets comme il faut parce que je vais l'emballer pour pouvoir l'offrir. J'espère qu'elle lui plaira parce que j'ai fait au plus simple, hein. J'ai pas fait très 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 compliqué. Ensuite ici j'ai adapté donc une page parce que le tuto de Béatrice c'était les trois volets là. Et moi ça me suffisait pas pour pouvoir mettre des photos, donc j'ai rajouté le portfolio de Dominique, voilà, et je l'ai monté sur une page. Donc ici on a des petits souvenirs, save the date. Ici, ben voilà, vous avez pour pouvoir mettre des photos, hein, du mariage, tout bêtement. Fermé avec une petite flipette. Et vous rabattez celui-ci qui vient là, qui est reposé sur. Voilà. Ici, on a une photo avec marqué Vanessa Michael. Et on le ferme comme ceci et comme ceci, comme cela, et voilà, on n'a plus qu'à faire un joli nœud, et voilà, il est terminé. Ben, sur ce beau, je me suis régalée à le faire quand même, j'ai mis un peu de temps, mais je me suis régalée. J'enlève les petits bouts de colle. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Pour nous, ça va être un mariage ce week-end. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.